Courant est revenu! Ouais! Oh shit! Évidemment! Bon, ça c'est moins mon style! Prochaine article! Voilà. Tu peux l'essayer là, si tu veux. C'est beau! Je peux pas le faire avec une seule main, mais aujourd'hui on va faire du bateau. Mais il me manque du pain pour me faire un petit sandwich. Alors on va aller dans des sortes de halles marché. On va voir. Alors à tout de suite. Bon, au final, les halles, j'ai même pas filmé parce que c'était juste un attrape-couillon. Par exemple, il y avait des morceaux de charcuterie, bon, de la charcuterie corse, qui coûte évidemment une blinde ici. On le trouve à Leclerc à 27 euros. C'est pas forcément donné, mais voilà. Dans ces halles-là, on le trouve à 70 euros. Le même morceau à 70 euros. Donc, clairement, on s'est dit, allez, on se taille de là. Donc, nous voilà à Leclerc. A few moments later. Bon, voilà, de retour des courses. J'ai fait un achat qui devait être fait. Je vais vous montrer ça. C'est une catastrophe. Je vous laisse apprécier cette horrible chose. Ceci est mon sac à main. Ça s'effrite. Voilà, ça là. Ça s'effrite. Et j'en ai partout sur mes vêtements. Ça me saoule. Du coup, j'ai acheté un sac à main. C'est pas un achat compulsif. C'est pratique. Et j'en ai besoin. Donc, je vais changer maintenant. Good. En piscine parce que je crève de chaud. Piscine du jour, mais voilà, ça va être un bonheur. Un bonheur. On va faire du bateau. Ouais. Ce matin, on n'a pas fait grand chose. Moi, j'ai filmé de mon côté. J'ai rien filmé. Bah, super. J'ai rien fait. Avec mon nouveau sac. Tu me prends en défilé avec mon sac. Défile-toi. Bro, I swear on God, I'm gonna fuck shit this baby. Is that my voice? Wow. Don't you like it when he's done me like elle est con, celle-là, je te jure. Eh oh. Coucou. Thank you.
quoi? On va à un restaurant spécial. Si vous suivez un peu les aventures de Pékin Express, vous auriez pu peut-être voir en finale et même gagnant de l'année dernière, Julie et Denis, les Corses. En fait, c'est un restaurant à Solenza et on y va ce soir. Oui! Oh, on va leur poser des questions sur Pékin Express. Si c'est dur, comment est-ce qu'ils font des arrêts qu'on voit pas? À quelle heure ils lèvent le matin et tout? Du coup, là, on va rentrer, on va se préparer, on va se pomponner. Et puis c'est parti quoi. En plus, c'est une soirée chant corse. Donc, là, c'est 100% cool. Corse. Miel. C'est à l'heure. Ce matin, quand j'ai acheté un nouveau sac, j'ai tout changé et tout et tout. Ouais. Bah, comment dire. Comme une con, j'ai oublié des trucs dans mon sac. Mais bonsoir. Oh putain. C'est bon. Sans commentaire. On arrive bientôt. On y est. Julie et Denis. C'est Julie. Chine. Chine, madame. On les a vus. Ils nous ont dit bonjour. Peut-être on n'aura pas de photos, je sais pas. Si, si. Mais à la fin de la soirée, elle va expliquer le montage. Ça va être stylé. Elle ne connaît pas les bonnes choses. Elle est tôt le matin, c'est le faire, demain après-midi. Elle voit pas tout, hein. Oh, ça va, c'est pas trop fort. Ah, ça va. Ah, franchement, je m'attendais à pire. Tu vas être bien bourré à la fin. Et moi, j'ai fini ça. Je suis bourré, je bois tellement peu d'alcool. Déjà commencé à bouffer, hein, évidemment. Voilà, je crois qu'il est déjà voilà, super. Et moi, c'est ça. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mes frites. Chestif offert par la maison, c'est tout bon. Bah, ça, tu t'en bourses un 10. Certaines me disent quand même. Ça passe. Ça y est, on quitte le resto. J'étais trop bien. Et là, on vient de dire au revoir. On a fait coucou à Denis comme si c'était notre poteau. Je vais vous afficher la photo. Et les gars, j'ai entouré la taille de Julie. Oh, c'était trop cool. Et on a eu des petites anecdotes pépites sur le montage, même sur les autres candidats, tout. C'était. Vous avez vu les images genre du sac, des lettres. Ouais, et tout, genre, on a touché enveloppes. Une lettre de Pékin Express. Moi, j'en ai pas, c'est nous qui. Je te le dis. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez, retour à la maison. You and I.